Ou t'as un match comme ça, et puis pour on est campé, l'abstal, toute équipe pour comme ça. Qui réaction t'as bien? Et de 1 à 10, qui n'ont pas eu partenaire ça pour toute belle dribble, ça y'a la baille là. Et pas oublier, aidez-moi contrôler pour m'kaboué, qui va les mounes, monsieur, passer ballon baf en jambio. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo aujourd'hui. À côté nous, parler de tout ça qui a dominé l'actualité football là. Surtout nous, bien Griezmann lui-même, la situation là vraiment empire dans l'équipe FC Barcelone. Et famille, t'as mis tes bouches dans cause à mes amis, en pile parole, en pile à parler. Nous parlons toujours dans le pays, l'Espagne, mes amis, avec une situation qui a fait polémique, surtout avec Vala, mes amis, qui a un pile bagage qui a parlé en pile, mes amis, sont gros causé. Nous parlons avec goal qui était fait dans le match, surtout avec Inter de Milan qui crase Brescia 6-0. Et pourquoi pas Chelsea lui-même qui perdu sous pelouse West Ham dans 3-2. Nous avons avec tout goal le bois surtout tout ça qui a dominé l'actualité football là. C'est information ça avec un pilote noir porté pour une vidéo ça. On a ponti pour notre détail, on s'en va venir avec plus de détails. Nous commençons la vidéo passant dans le pays Angleterre avec Daily Mirror qui met à la une justice. Mais définitivement, après que West Ham a marqué un goal face à l'équipe Chelsea, que mais Vala lui-même était annulé, mais nous avons dit l'équipe West Ham qui fait d'être justice, bien qu'il ait mené au score 1-0, mais définitivement, il est arrivé à battre match à 3 goals à 2, mes amis. Les hommes de Lampard qui tombaient là face à West Ham. Même jour, ça qui parlait de gros victoire Arsenal qui fait sur l'équipe Norwich à 4 goals à 0, mes amis. Nous avons venu avec goal pour tout à l'heure, comme ça, surtout goal qui était fait dans le match Chelsea avec West Ham United là. Donc, c'est vraiment un pile bel goal qui fait pendant la journée ça dans le pays Angleterre. Et toujours dans le pays Angleterre, nous avons Daily Star qui mettait à la une Master Builder pour parler de Pep Guardiola lui-même qui a préparé là pour faire un mercato en or pour l'équipe Manchester City. Là. Monsieur qui a fait de toute façon pour qu'il campe l'équipe Liverpool la super cool, et bien il a préparé là pour qu'il acheter plusieurs joueurs, pourquoi pas préparer l'avenir et club Manchester City. Surtout nous connaissons, mais Leroy Sané qui a quitté l'équipe ça et pourquoi pas, et nous gagnons un mi-temps terrain, donc il va perdre plusieurs joueurs et qu'on a Guerreau lui-même tout qui a supposé quitter l'équipe ça en 2021. Mais définitivement, la préparer la gagne du pain sur la planche pour préparer l'avenir club Manchester City, donc il va préparer pour son gros mercato selon le journal Daily Star. Et bien mes amis, comment ça t'est entre Chelsea avec West Ham? Nous gagnons à la 34e minute de jeu un goal que Valium était annulé. Et nous gagnons à la 42e minute de jeu William sous pénalité marqué premier goal là pour l'équipe Chelsea. Et nous gagnons à la 45e minute de jeu Sosek lui-même était marqué premier goal l'équipe West Ham. Non? Donc c'était 1-1 mes amis pour l'équipe Chelsea avec West Ham. Et nous gagnons à la 51e minute de jeu Antonio lui-même était marqué deuxième goal là pour l'équipe West Ham United là. William son bel coup franc mes amis qui te mette deuxième goal l'équipe Chelsea, un très bel coup franc. Et nous gagnons Yamalenko lui même à la 89e minute de son gros contre-attaque qui te marque troisième goal là. L'équipe Chelsea lui même qui perd du match ça, 3 goals à 2 face à l'équipe West Ham United là. Et toujours dans la première ligue là, nous gagnons Arsenal lui même qui te crase Norwich 4 goals à 0. Nous gagnons Aubameyang qui te ouvre score à la 33e minute de jeu suite à une grave erreur de gardien. Nous avons Chaka lui-même qui a marqué deuxième goal à la 38e minute de jeu. Nous avons Aubameyang encore qui a marqué doublé à la 67e minute de jeu. Et pourquoi pas Cédric Suarez à la 81e minute de jeu qui a mis goal par la non filet. Donc c'était 4-0 pour l'équipe Arsenal face à l'équipe Norwich City. Avant que nous arrivions plus dans la vidéo, ça, mes amis, quittez-nous demander un service. Si vous faire ça, mettez un like en bas de la vidéo à Kounia parce que ça vraiment encourage nous porter plus de vidéos pour vous. Et si c'est la première fois que nous sommes avec nous, avons invité mes amis à cliquer sur le bouton rouge de la vidéo là pour abonner avec la chaîne YouTube là et activer la cloche de notification pour recevoir chaque jour tout ce qui passe dans le monde football là. Et pourquoi pas sortir de compte de joueurs de football là pour cliquer sur la notification qui est montée en l'air là pour connaître comment Ronaldinho Gauchonem lit à vivre et comment on a dépensé pile million de. On continue revue de presse dans le pays de la France avec l'équipe qui mettait à la une Griezmann, la peur du flop. Mais définitivement, monsieur qui a passé un mauvais moment dans l'équipe FC Barcelone, surtout elle était filmée sous banc, mes amis, face à l'équipe Atlético de Madrid. Là, elle était jouée seulement 2 minutes seulement. Et journal qui a continué pour te dire, mécontent du sort que lui réserve qui que se tienne. Le clan d'Antoine Griezmann s'est emporté contre l'entraîneur du Barça. Nouvel épisode d'une première saison très difficile pour le champion du monde français. Donc on est Antoine Griezmann, il a toute famille levée contre qui que se tienne et pourquoi pas équipe FC Barcelone. Il y a pile parole en pile qui a parlé, mes amis, nous venir avec pour tout à l'heure comme ça, mais vraiment grave là pour Griezmann, il y a l'équipe FC Barcelone. Et il y a un journaliste qui c'est Gris Christophe Dugarry lui-même qui c'est champion du monde en 1998 là, monsieur qui a fait déclaration, il fait connaître pour qui ça Griezmann paie Messi là. Mais si il y a 1m50 de hauteur, elle c'est un autiste. Donc c'est ça que monsieur l'ami déclaré. Elle parle de qui que Sétienne, il fait connaître que Sétienne c'est un bon garçon, mais quand même, il n'y a pas comment pour gérer l'équipe là. C'est juste niveau que Sétienne n'y a pas gagné. Donc qui sont pour cette déclaration, ça mes amis, mettez opinion pour nous en commentaire. L'autre image qui a fait un pile parler en pile, c'est comment Diego Simeone a gardé ancien attaquant, il a monté dans le match face à Atlético de Madrid là.
Donc un monsieur qui te gardé le nom, j'ai qui vraiment comme si triste pour lui. Et après match, j'ai te posé la question, qui s'est passé de situation triste. Maintenant, il fait qu'on est que le pas un mot pour exprimer situation ça, mes amis. Il y a un bail qui vraiment grave, les gens qui l'a gardé là. Donc on peut imaginer qui ça l'a dit dans quel. Donc c'est vraiment une situation qui est vraiment triste pour Antoine Griezmann. Et bon, quand tu parles de Papa Griezmann, qui c'est Alain Griezmann, il te répond à cette chaîne qui t'a fait déclaration quand elle t'a dit que lui pas mal excusé le bail Griezmann. Il connaît que ses remplaçants ont vraiment fait Griezmann mal, mais papa l'excusez-le. Eh bien, papa Griezmann a quitté répondre, monsieur, il dit pour faire déclaration ça, yo. Donc, il faut que tu aies une clé camion dans la main. Ça qui vraiment pas le cas de Setien et FC Barcelona, parce que Setien c'est juste un passager dans le camion FC Barcelona dans l'yé. Donc, il n'y a pas une clé camion dans la main, il n'y a pas qu'à faire déclaration ça, yo. Il n'a pas rappelé que juste avant, eh bien, frère Griezmann lui-même était vraiment là, qui c'est Théo Griezmann, il était vraiment parlé en pile sur Twitter. Pour te faire connaître que la situation, ça ne va pas te faire crier, il te même critiquer l'équipe Barcelone, pourquoi pas, et qui que c'est Setien qui a fait des mauvais choix. Nous avons quitté dossier Griezmann, nous parlons plus dans le pays, l'Italie avec un tuto sport qui mettait à la une Buffon 648. Et bien samedi qui a fini là, mes amis, derby turinois, nous avons Buffon qui a dépassé Maldini lui-même dans le nombre de matchs qui joue en Serie A, pourquoi pas 648 matchs. Donc Buffon qui a entré dans la légende du football à 43 ans, mes amis, nous avons Buffon qui a fait un pile action en vacances toujours. Donc c'est vraiment un bon numéro pour gardien ça lui-même qui était un emblème dans le monde football. Pour déballer du magasin le soir, nous mettons à la une Inter C6. Mais nous connaissons que Inter lui-même qui crase Brescia avec 6 goals à 0, notamment avec une prestation gala de Alexis Sanchez qui débaille 2 passes décisives et 1 goal. Et toujours dans le match qui te joue, nous avons Milan, c'est lui qui te fait 2-2. Mais définitivement, après que Zlatan Ibrahimovic était entré dans le match, il te mettait tout le bagaille d'accord pour l'équipe Milan AC face à Sassuolo qui t'a mené 2-0 sous lui. Donc nous avons dit que Mounio qui a vraiment défendu la couleur, Zlatan Ibrahimovic qui va suspendre, mettre le record dans le monde football. Pour te parler du coach de sportif illustré photo chilien lui-même Alexis Sanchez. Ça qui t'a fait une belle prestation pour l'équipe Inter 2000 ans, j'en ai déjà. Donc c'était une nuit de merveille pour l'équipe ça lui-même selon Juna Cotilla de Sportivo. Et bien mes amis, comment ça t'aide pour l'équipe Inter de Milan? Nous avons Ashley Young qui a invité à ouvrir score à 5ème minute de son belle passe de Alexis Sanchez. Nous avons Sanchez qui a marqué goal par la son pénalité à la 21ème minute de jeu. Et nous avons D'Ambrosio lui-même à la 45ème minute de jeu qui a marqué goal par la de 3-0 pour l'équipe Inter de Milan. Et nous avons Kadila Dini lui-même à la 52ème minute de jeu qui a marqué goal par la pour l'équipe Inter de Milan 4-0. Nous avons encore Christian Eriksen lui-même à la 83ème minute de jeu qui a marqué 5ème goal là pour l'équipe Inter de Milan, mes amis. Donc un festival goal. Et nous avons Kandreva lui-même à la 88ème minute de jeu qui a marqué goal par la. Donc c'était 6-0 pour l'équipe Inter de Milan face à l'équipe Brescia. Nous parlons directement dans le pays l'Espagne avec le journal ASA qui mettait à la une intenable pour l'équipe FC Barcelona. Journal qui fait qu'on est direction FC Barcelona et pourquoi pas vestir la maison, il n'y a pas de jambes qu'on a ce qui est Setien. Il y a un bagage qui fait m'a fait un pile parler, un pile surtout avec déclaration Papa Griezmann qui fait qu'on est que qui est Setien, il n'y a pas de clé FC Barcelona, il n'y a pas de clé camion, il est un simple passager. Et même ça qui fait qu'on est que le club là lui-même a planifié là pour faire un dernier assaut pour ne imaginer lui-même que Emmanuel Caraba Alder qui Paris Saint-Germain. Hein. Donc il a supposé offrir un bagage de 170 millions d'euros pour lui, c'est ça que Paris Saint-Germain lui-même lui demandé. Mais quand même, l'équipe Barcelona qui a préparé là au cas où il a mis Neymar en vente, et bien il a préparé là pour faire un dernier offre pour le Brésilien. Bon, côté par les journaux sport dans le pays l'Espagne, il mettait à la une. Barça lui-même, il continue à faire confiance avec Quique Setién. Il y espérait pour l'équipe de récupérer, parce qu'il a toujours une chance pour gagner la Liga. Mettez opinion pour nous commentaire, mes amis. Est-ce que vous pensez que FC Barcelone est toujours capable de gagner la Liga? Mettez opinion par. Et surtout, journal qui mettait à la une, futur incertain. Faudrait faire qu'on ait quand même idéal lui-même, c'est Kembe qui se tient pour jusqu'à ce que la saison elle est finie. Mais si l'entraîneur n'a pas gagné aucun titre avec l'équipe FC Barcelone, on connaît FC Barcelone qui sous deux tableaux, Ligue des Champions avec Liga. Et bien, là, ça lui-même a venu incertain. Donc, il n'y a pas Kembe dans l'équipe FC Barcelone. Et bon, côté par les journal Mundo Deportivo, il vient avec un pile numéro, mes amis, pour convaincre monde que mes habitudes là fait mal avec l'équipe FC Barcelone. Il vient avec Gérard Piqué lui-même qui fait 30 fautes et au bali 14 cartons jaunes. Et pourquoi pas Sergio Ramos qui fait 46 fautes et au bali seulement 8 cartons jaunes. Et il fait qu'on est que mes pénalités que l'équipe Barcelone il subit. Donc il subit 6 pénalités. Donc il y a bali 6 pénalités, disons, et il subit 7. Et pourquoi pas Real de Madrid lui-même qui a bali 7 pénalités et il subit seulement 2 pénalités. Et il fait qu'on est que après football a retourné en live, l'équipe FC Barcelone qui a pris 18 cartons jaunes. Et pourquoi pas Real de Madrid lui-même qui a seulement 8 cartons jaunes. Le fait qu'on ait que critère arbitral à lui-même dans le pays d'Espagne, il a fait mal non seulement avec Vala, l'équipe FC Barcelone, mais habituellement tout souterrain a fait mal avec l'équipe FC Barcelone dans le pays d'Espagne.
Juste avant nous aller, quitter nous remercier chaque monde qui te mette un like en bas vidéo et qui te regarde la vidéo arriver jusqu'à la fin. Pas oublier mes amis, pour qu'on fait ça, mettez un like, kounya parce que ça va vraiment encourager pour nous porter plus de vidéos pour vous. Et si vous faites une ensemble avec Nabzou, pas oublier mes amis, cliquez sur le bouton rouge qui est ma vidéo pour vous abonner. Et surtout, pas oublier activer la cloche de notification pour vous toujours recevoir la vidéo. Quant à nous, Nabzou à la prochaine vidéo, que bon Dieu bénisse. Pas oublier mes amis, football là, game pour le passé, tout le passé va passer, c'est non nous qui apprêter. Préparez-nous pour tout ce qui est essentiel. Nous, qui joue nous fait, nous ne connaissons pas qui joue nous pour aller.